une croix. Voilà. Bienvenue, Guillaume. Très heureux de retrouver un groupe, de retrouver une bonne équipe et puis de découvrir mes coéquipiers. Donc, voilà. Quel a été le discours du coach? Est-ce que vous avez échangé? On a échangé et d'ailleurs c'est le projet sportif qui m'a emballé. Voilà. Jouer en CFA, ça te fait pas peur? T'as pas encore connu ce niveau? J'y ai joué quand j'étais jeune avec Guingamp en formation et maintenant... La situation fait que Strasbourg s'est présenté et c'est un challenge très intéressant. C'est un grand club, une grande ville et avec un très bonne motivation. Guillaume Gauquelin faisait partie d'une shortlist de deux ou trois gardiens que j'avais ciblé au mois de septembre au moment de la blessure de Vovkei. À ce moment-là, il était celui des trois qui avait le plus la volonté de venir parce qu'il m'avait appelé directement, il avait vraiment envie de s'inscrire dans notre projet. Et à l'époque, avait accepté le fait que voilà, il était tombé sur un entraîneur qui voulait donner sa chance au numéro 2 qui était là. C'est ce qu'on a fait sur les 4 mois qui nous ont emmenés à Noël. Et il nous semblait, au vu du mois de novembre et au mois de décembre, en tout cas les actionnaires ont décidé que, et moi-même, que c'était le moment de renforcer le groupe avec un gardien. Ça permet en plus à Vovkei de ne pas se précipiter dans sa rééducation pour revenir plus vite que ce qu'il faut. Et donc voilà, en tout cas, Guillaume a le profil et l'expérience pour nous filer un sacré coup de main et j'espère que ce sera le cas jusqu'à la fin du championnat.